c'est sympa de te voir. Hein. Bienvenue à Dharamsala. Merci. C'est le monastère privé de Sa Sainteté, le Dalai Lama. Il habite ici? Oui, il habite ici en exil depuis le début des années 60. First step, inner peace, compassion. Make effort with vision to create better world, peaceful world. Whenever we face some problem, must solve through dialogue, through peaceful means, through non-violent way. I think this is right time. Je me suis rendu compte que moi aussi, tous les matins en me réveillant, j'étais jamais la même personne, jamais. Et d'accepter cela, c'est vraiment un lien avec cette dissolution du mandala où vraiment on nous montre quelque part que rien n'est figé, tout est frais et neuf à chaque instant. Et ça, c'est essentiel de rentrer dans ce mouvement parce que du coup, on s'attache moins et en souffre moins, il n'y a plus de souffrance. Quand on laisse la vie faire, quand on laisse la vie être, et quand on accueille juste ce qui est, eh bien, c'est déjà un bon petit début de libération et de bonheur. Ah oui, je trouve que ça, c'est très important ce que tu dis, Nathalie, à propos de l'attachement. Et quand on parle d'attachement, tout, évidemment, tout de suite, on le relie à un attachement amoureux ou à un attachement affectif, en tout cas. Et en fait, ce qu'il y a de merveilleux dans l'amour, c'est sa transformation, sa capacité à la transformation. Et cette transformation, elle a lieu absolument partout. Et elle a lieu dans les sentiments aussi. Les sentiments se transforment, et ça ne veut pas dire qu'ils soient moins forts, mais les choses changent. Et si on comprend ça, dans quelques situations que l'on soit amené à vivre, il n'y aura jamais de séparation. Et du coup, cet amour que nous vivons tous, les uns avec les autres, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il sera sublimé. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, je ne savais pas vraiment où elle allait m'emmener, ni à la rencontre de qui. J'avais en tête le titre de mon documentaire et je me laissais porter par lui.
d'Akini. Le principe d'Akini, c'est le principe féminin. Il touche à tout ce qui est intuition, sagesse, circonstances favorables. Le définir semble aussi difficile que de saisir une poussière d'étoiles. C'est l'énergie de la nature, l'énergie universelle, l'énergie spontanée. Nous regardons la vie d'un point de vue positif. Nous disons, le passé est passé. Demain s'occupera de lui-même en temps voulu. Faisons d'aujourd'hui le meilleur que nous pouvons. C'est ainsi que nous vivons. Et en vivant comme cela, je crois qu'on ne peut pas être déprimé. Votre attitude face au quotidien est plus ouverte. De la rencontre de ces femmes, il me reste un souvenir inoubliable au fond du cœur, comme un cadeau de la vie. Je m'appelle Migmar. Aujourd'hui, c'est le 10 mars, une journée très importante pour nous. C'est la 62e commémoration du soulèvement du peuple tibétain contre l'invasion chinoise. Pandémie ou pas, on se rend tous avec nos drapeaux tibétains près de la place du Trocadéro pour participer à la manifestation. Nous rejoignons Yankee, une jeune tibétaine de notre âge. Yankee est la coprésidente de SFT France. Ce jour-là, Yankee nous a tous bouleversés quand elle nous a parlé de nos frères et sœurs qui souffrent au Tibet et de notre culture qui meurt. Vous voyez tout ce peuple qui est en train de mourir dans le silence au Tibet. Les jeunes Tibétains sont déterminés à continuer le combat pour leur culture, pour la liberté dans leur pays. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est aussi cette réalité pour beaucoup dans le monde. On n'est pas en haute de la montagne, mais je suis heureux de te voir. Ah oui, c'est gentil. Je suis heureux de te voir. Pour moi, la photographie est une sorte d'hymne à la beauté sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, un hymne à la beauté spirituelle. Par exemple, la beauté d'un grand maître spirituel. Ce ne sont pas des beautés qui répondent aux critères d'Hollywood ou de la beauté grecque, mais c'est l'émanation d'une beauté intérieure, celle de la sagesse, de la compassion, de l'éveil, qui se manifeste sur des visages qui expriment comme une immense harmonie intérieure. Par mon travail photographique, très humblement, j'essaie de faire prendre conscience de la beauté spirituelle, la beauté de l'être humain, la beauté de la part sauvage du monde, et la beauté de l'altruisme. Merci pour cet accueil. Merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux chaque année. C'est vrai que c'est le Tibet, on en parle de moins en moins.
On parle beaucoup en ce moment d'Ukraine, d'Iran, mais il ne faut pas oublier le Tibet. On était encore au Tibet en train de manifester au Trocadéro à Paris le 10 mars. Chaque année, on s'aperçoit qu'on est de moins en moins nombreux. C'est pas évident. C'est pas évident de porter encore cette cause tibétaine. On a l'impression que ça passe au second, au troisième, quatrième, cinquième rang. C'est plus du tout la priorité des politiques. On en parlait il y a l'instant. C'est vrai que très peu de personnes au gouvernement parlent encore du Tibet. On a l'impression que c'est une histoire passée. Donc c'est vrai qu'en tant qu'occidentaux, on a la chance d'avoir cette liberté de pouvoir parler du Tibet lors de nos conférences, déplacements, interventions, festivals, de porter la voix du Tibet pour les Tibétains et pour les Tibétaines. Donc ne lâchons rien pour eux, ne lâchons rien pour elles, et vive le Tibet. Monsieur Lucas. Merci pour les mots agréables, mais ce qui compte, c'est vous. Sans vous, on peut toujours dire les choses, mais c'est pas ça. Donc merci à nos invités d'honneur, merci à notre marraine d'honneur qui revient régulièrement et qui vient encore cette année. Ça nous fait plaisir d'abord de vous voir parce que vous êtes de belles personnes, simplement, hein, et au-delà de la cause que nous partageons.
D'accord, oui, tu l'as fait. Avec des projectiles Tsatsa qui ont été fabriqués par les enfants des centres de loisirs et qui vous sont offerts. Le but est de les rattraper. May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Universal Dhamma door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Nghe chuông phiền não tan mây khói, lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chấn niệm vườn tâm hoa tuệ sinh. Listening to the bell
I feel the afflictions in me begin to dissolve. My mind calm, my body relax. A smile is born on my lips. Following the sound of the bell, my breath brings me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart, the flowers of peace bloom beautifully. Trên khắp mọi miền núi sông.